La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5,4 km de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Ricciardo, Lando Norris et Sainz, Verstappen, Fernando Alonso, Perez et Pierre Gasly, Tsunoda, Ocon, Sebastian Vettel et Stroll, Giovinazzi, Raikkonen, Christian Lundgaard et George Russell, Latifi, Philippe, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage.
Okay, there appears to be an issue. We're currently investigating. Okay, looks like a mechanical failure. We're gonna have to ask you to find a safe spot to retire. Sorry about that. This is serious. We need you to retire as soon as possible. Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix ici à Bahreïn, et c'est suite à une performance admirable que la victoire a été décrochée. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection. Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Examinons le classement des pilotes. Après une performance incroyable, Lewis Hamilton s'empare de la première place du classement des pilotes. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin ? Alors pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est George Russell. Quelle performance ! Il a tous les droits d'être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari s'empare de la tête du classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt.